Bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot. C'est le jour J, le lieu dit, celui qu'il a choisi pour réduire ses congénères en poussière. Il n'a eu aucune peine à se transformer en bombe humaine. Il sait qu'il va se donner la mort avec d'autres à bord. Tous ceux dont le hasard a scellé le sort. Il n'aura même pas le temps d'avoir un seul remords. Son geste le réveille. Son geste l'endort. Où va l'endormir du plus profond sommeil? Oui, c'est cela exactement. C'est l'irréversible qui l'émerveille. Entre l'indistinction de la vie et la distinction de la mort, rien n'est pareil. Pour une fois, ce sont les présents qui ont tort et non les absents d'être là encore et de faire partie du décor. Et dans son fort intérieur s'agite l'idée qu'il est le plus fort. Plus fort même que la mort. L'explosion va peut-être livrer le secret de l'être. En délivrant les êtres de leurs secrets. Et le bonheur, se dit-il, c'est de choisir son heure. Sa dernière heure, sa demeure. Peut-être, peut-être, il se leurre, mais il n'a plus peur. Et ça le rend lucide de vouloir à tout prix partager son suicide. Il ne va pas causer de tort, mais redresser les torts. Et plus ils seront nombreux, et plus son acte sera glorieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils le verront. Et c'est dans ce train reliant la capitale à sa banlieue que la conflagration aura lieu. Il a choisi l'heure de pointe pour exaucer son vœu. Il lui suffit d'effleurer le smartphone pour faire feu. Il a conçu sa disjonction sans aucune injonction, librement, gratuitement. Sereinement, c'est simple. C'est pas compliqué. Même s'il sait que son forfait sera revendiqué par d'autres laquais ou assimilé à une religion contre-indiquée, comme toujours, c'est l'islam
qui paiera les pots cassés quand on verra les victimes s'entasser dans l'étrange mémoire de l'actualité. Les politiques sauront le profiler, en profiter. Notre homme n'a pas lu le Coran, non. En revanche, il a longuement feuilleté les caves du Vatican. Et il s'est mis en tête de soumettre l'ange à la bête en accomplissant l'acte le plus insensé. Gracieusement. Oh, disgracieusement. Juste pour le plaisir de briser d'autres destins avec le sien. Et juste au moment d'actionner la bombe, je me suis réveillée transpirante, le cœur bam bam battant, avec la ferme décision de ne plus fermer l'œil.